Saloute, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une douce journée. On se retrouve aujourd'hui pour essayer de débloquer les petites récompenses de la faucheuse. C'est là depuis le 24 mai, comme j'étais en formation, c'était littéralement impossible vu que j'avais du 8h-18h. Je rentrais le soir, enfin en fait c'est pas comme si j'avais 8h-18h et que c'était juste, vas-y, du blabla et de l'écrit. Là c'est de la pratique toute la journée. Le mercredi je suis en pratique toute la journée. Le jeudi, j'ai le début de journée pratique et l'après-midi écrit. Et le vendredi, c'est que de la pratique. Donc, autant vous dire que le samedi, j'ai besoin de récupérer un peu avant qu'on s'y attaque. Mais là, ça y est, c'est le moment, c'est l'heure, c'est l'instant. On va récupérer... En vrai, je l'aurais bien fait avec... Je sais pas. Je voulais le faire avec Barbie, mais je me dis en vrai, avec la famille de Vlad, c'était cool. Mais ce qui m'est arrivé là, comme souci, parce que sinon, c'est pas drôle... C'est que je me suis retrouvée avec tous mes Sims qui ont perdu leur CC parce que j'ai eu un... À la mage, en fait, j'ai fait un couac. Du coup, j'avais désactivé, j'ai réactivé les CC et ça m'a retiré les CC de... Ignoble. Donc voilà, donc j'ai plein de Sims qui malheureusement sont chauves ou qui ont perdu des affaires à cause de ça puisqu'il faut que je leur remette les CC. Donc c'est vraiment atroce. C'est vraiment atroce quand ça arrive. Donc là, je vais aller avec Barbie. Et on va essayer de contacter la faucheuse là pour pouvoir avoir des informations sur l'ambroisie puisque c'était la première étape à faire. Merci Lucas pour ta rose, ça fait plaisir. Ok, donc on était au spa avec Barbie, hein, on s'est clairement arrêté là et on voit qu'il y avait déjà des petites choses ici. Donc pour les récompenses de la faucheuse, elles sont là et comment vous dire qu'on a du travail. Alors, attendre le bulletin d'information de la société. Attendez la distribution du courrier. Acheter le gramophone et se renseigner sur l'ambroisie auprès des esprits. Donc, on va rentrer à la maison, on va prendre une table de spiritisme et on va acheter un gramophone. Petite connexion spirituelle. Oula. Est-ce qu'un esprit pourrait se connecter à nous? Parce qu'on a besoin d'un esprit là pour discuter. Pour l'instant, on papote, mais... Oula, Ken, calme-toi. C'est quoi, Ken? Fais la même chose, parce que comme ça, au moins... Ah, on peut, lui. La table est déjà utilisée. Ah mais lui, il peut, mais pas elle. Mais MDR. Ok, Barbie, lâche tout. C'est Ken qui l'a. Parce que lui, il est magicien. Peut-être qu'il avait déjà débloqué le truc. Mais trop bien. Barbie, lâche. Va t'occuper des hamsters, tiens. Vas-y, Ken. Ah, Ken, il gère. Ken, il a déjà les compétences. Mais oui, j'avais oublié qu'il était magicien, lui. Vas-y, pose les bonnes questions, Ken, on compte sur toi, parce que Barbie, elle y est pas, là. On a des réponses de l'ambroisie, ou on peut... Oui, on a eu des réponses, très bien. Attendez la distribution du courrier. Ou accélérez-le à partir de l'application Foyer sur votre téléphone. Comment ça, mon ref? Débloquer la compétence du gramophone de l'au-delà grâce à l'événement. Et du coup, c'est quoi l'événement? Genre, la précision, elle est... Débloquer grâce à l'événement. Ah. Ah. Ok. Donc là, j'ai récupéré ça. J'ai ça. Et ça, c'est quoi? Faut que je termine un truc pour l'avoir, quoi. Terminer les quêtes. Ben ouais, mais les quêtes, super, mon ref. Je dois juste attendre le courrier, en fait. Jardinage, terre, lumière, eau. Okay. 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 La faucheuse a besoin de votre aide. Commencez à apprendre tout ce que vous pouvez sur l'ambroisie. Le bulletin d'information de la société. Okay. Bah, l'ambroisie, on écoute. Hein. Ah, pour vous, ça c'est un deuxième truc?
ça après, c'est le courrier, hein. Il est où notre courrier? On a une boîte aux lettres, c'est déjà positif. Prendre le courrier. Ken va chercher le courrier, on sait jamais. Il est content, en plus il a vu des fantômes, il est heureux. Il a discuté avec l'au-delà. Alors, ça dit quoi le courrier? Enfant, dream. Lire le jardinage, eau et lumière. Vas-y, lis le jardinage, on sait jaja. Oh, qu'est-ce que t'es mignon, toi, le bébé poney? Il a faim. Oh, t'as pas nourri les poneys? Donne-lui à manger à ce pauvre poulain, là. Puis on a une poule ici. Vas-y, tu liras ton journal après, parce que là, c'est pas contre toi, Ken, mais t'as un poney qui a faim, en fait. Voilà. Manquerait plus qu'on ait un petit pouns qui ait faim, quoi. On a une vache aussi. J'avais oublié qu'on avait autant d'animaux. C'est une... Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est du caca? Magie? On peut faire quoi sur le caca? Je peux cramer le caca? Vas-y, je veux faire. Ah, il a fait un incendie sur le caca. Bah, éteins le caca. Éteins le caca, on va tout... Oh, il a cramé. Attends, il y avait quoi ici? Il y avait un poulailler, il y avait quoi? Je sais plus. Il a pas cramé une poule, quand même. Mais j'ai regardé le courrier, il n'y avait rien. J'ai pris le courrier, mais du coup, je sais pas ce qu'il y avait dans le courrier. Il va bien spawner? Ça, il va bien. Ken, il est au bout de sa vie. Tu pourrais aller mieux, Ken, s'il te plaît? Merci. On n'a pas le temps que t'ailles mal, en fait. Vu tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. Je sais pas ce qu'on a, là. Potion de suppression de malédiction, du poisson. Bulletin d'information de la société de l'Ambroisie. Lire. On a. Il a lu? Attends, il est où? Il l'a mis où son papier, là? J'ai rien fait, hein? Développez vos compétences afin de satisfaire les conditions requises. Okay. Pensez que communiquer avec les défunts, ça va nous aider ou pas? Parce que Barbie, elle est partie travailler, elle en a rien à faire. Hein. Bulletin d'information de la société. Bienvenue dans notre nouvelle série. Leçon de cuisine ou de jardinage? Vas-y, leçon de cuisine. C'est vrai ça? C'est vraiment ça? C'est tout? C'est ça mon bulletin de l'Ambroisie? Attends, le bulletin d'information. Mais je l'ai eu, hein, en fait. Mais encore. Ah mais... Pour que votre Sims commence à jardiner, vous aurez besoin d'acquérir des graines. Les graines peuvent être achetées dans les jardinières, dans le mode construction... Ou à partir de votre ordinateur. Les graines achetées se trouvent dans votre inventaire. Si vous les plantez et que vous mettez de l'eau, ça va pousser. Vous voulez notre mort ou c'est comment? Si vous avez planté votre mule filet... Ah, je dois planter un mule filet. Oh là 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 là. Ben, on va planter, hein. On n'a pas un petit coin jardinage, d'ailleurs, là? J'ai pas une vache qui a faim, aussi. Bon, ça va. Elle a l'air d'aller trop bien.
propre, rassasié. Ok. Ok. On va se mettre un petit coin ici pour planter, hein. Alors. Oh ! Oh ! Attendez, j'ai vu des trucs là. J'ai vu des trucs qui m'ont dit coucou là. Non, parce qu'à la base, voilà, à la base, moi, j'avais lancé ce live parce que je voulais voir les derniers objets. Le couffin, les trucs gothiques et tout. De base, j'ai lancé ça pour ça. Et après, je me suis dit, non, mais là, si on fait pas le truc de l'ambroisie maintenant, on n'aura pas le temps. Mais à la base, je voulais trop voir les nouveaux objets. D'ailleurs, le concours... J'ai tiré au sort le concours de Twitter, mais je ne vous ai pas encore tiré au sort sur Instagram. Donc si vous n'avez pas encore participé, n'hésitez pas pour le deuxième pack. Oh, sculpture des tourtereaux. J'adore. Oui, bonjour. Je veux une sculpture de tourtereaux. Oh. Petit baldaquin. Mais ça aussi, on adore un petit baldaquin. Bon, évidemment, il n'y a pas du rose pour Barbie, sinon c'était trop demandé. Il y a un petit baldaquin. Plutôt que d'avoir un faux baldaquin, là, j'ai un vrai baldaquin. Wow. Ça, c'était mon rêve. Hein. C'est mon rêve quand j'étais plus jeune d'avoir un lit comme ça. Ça, c'est quoi? Décor drapé. Ah, ça, c'est pour faire de la peinture et tout. Attendez, je vais faire un bébé m'object parce que ça me saoulait. Du coup, faut qu'on achète des plantes pour le truc, là, ou pas? Pour avoir un mulfinier, là. Parce que moi, j'ai pas ça. Je pense qu'il faut qu'on l'achète, la graine. Commander. Acheter des graines. Fleurs, fruits, herbes... Herbe à chat. On n'a pas de mulfi. Comment je trouve des graines de mulfi, moi? Ou alors, j'ai déjà un mulfi dans mon inventaire, ils m'ont envoyé une graine? Laine rose. Fumier de cheval. Morceau d'argile. Peut-être j'ai, hein. Friandise. Non. Faut acheter des graines. Ouais, mais quoi comme graines? Parce que du coup, là, enfin, vous avez vu les graines que j'ai. Genre, j'ai pas de mulfi, là. J'ai des graines pourries, là. Moi, je peux acheter des graines, regardez. Donc, j'achète des fleurs, alors. Un truc tout basique. Graines aromatiques, légumes, plantes magiques. Un truc nul. Vas-y, je prends les deux, là. On va prendre ça. Et il faut que je prenne de quoi les planter, du coup. C'était ça que j'étais partie faire, mais on est tombé sur les objets incroyables que je viens d'avoir. Trop de choses. Trop de nouveautés. Tous ces objets, je veux tout tester. Je veux lui mettre un balai. Je veux mettre un cadre avec des enfants. Je veux un plateau de boissons. Mais par contre, pour faire une chambre gothique, bon, on arrête les bêtises. Celle-là. Couverture romantique. Oh, c'est Pipou! Allez, j'en mets une là. Voilà. Ah, mais il y a des trucs là. Plantes magiques, graines, aromatiques. Ah, on peut les trouver ça. Ok. Je lui mets quoi? Je lui mets une jardinière ou une parcelle de jardin? Une jardinière? Ça suffit, trois jardinières. Ok, Ken. Fais un effort, s'il te plaît. Ken n'a rien pour planter. Ouvrez les sachets. Ah, ok, très bien. J'ouvre. Attends, mais... On peut pas l'ouvrir différemment, ce truc-là. Il est relou. Ouvrir. Ok, j'ai ouvert les sachets. Maintenant, planter. Mandragore, racine de valériane, vas-y. Et on va planter un truc basique, un bégonia. Voilà.
Ah, mais je peux planter plein de trucs d'autres, en fait. Oh, je vais tout planter. Je vais tout planter. Oh, il y en a un! Un mulfi, il est là. Bah, parfait. Bah, c'est bon, on a des mulfi, en fait. Je pensais qu'on n'avait pas, mais on a. Bon, on va devenir jardinier professionnel, là. Par contre, ça me fait trop rire comment il plante ça, quoi. C'est vraiment... C'est même pas la graine de la plante, genre... Il a cueilli la fleur, il la met dans la terre en mode, vas-y, c'est bon. Bon, c'est ce pot-là qui nous intéresse surtout. Moi, je plante tout. Mais je savais pas qu'on pouvait en planter 4, mais du coup, c'est mieux parce que un par truc, c'était un peu le geste, quoi. L'icône en haut. Ah, celui-là. Faire des recherches sur une plante. Faire des recherches sur l'ambroisie sur le téléphone ou la tablette ou l'ordinateur. Allez, calme-toi, mon petit. Tout doux, tout doux. On peut pas l'arroser, là? Ok, tu gères. Ben oui, moi je comprenais pas, tu me disais il y a un autre onglet, mais je le voyais pas parce que j'ai pas les yeux en face des troupes. Ok, donc là on peut se renseigner. Alors, faire des recherches. En plus c'est bien, il y a le petit logo. Parce que jusqu'à maintenant on n'avait pas et je comprenais pas trop. Donc comme ça on va pouvoir avancer un peu plus vite. Hein. Mais j'avais bien compris, Shukado, que t'essayais de me dire quelque chose, mais j'avais pas la ref. Merci pour les follow, bienvenue. Faire des recherches sur une plante. Ça, faut que je le fasse où sur l'ordi aussi. Atteignez le niveau 2 de la compétence jardinage. Ok. On est en quoi en jardinage, nous? Peut-être qu'il va falloir qu'on plante des trucs ou qu'on s'occupe de nos plantes, je sais pas. On est comment niveau jardinage, nous? Qu'on vient de commencer vraiment le jardinage, c'était pas notre passion avant, quoi. Je crois que j'ai même pas... J'ai rien, quoi, en jardinage. Vraiment, je suis à zéro, je pense. Je suis à moins 12. Ah si, c'est là. On est en... Ah, ok. Si, en vrai, on a un peu avancé en jardinage. Tu gères, Shukido, tu gères. Une fois qu'on a fait ça, faut qu'on se renseigne avec des Sims. Donc, en vrai, Barbie, si elle veut bien arrêter de faire sa grosse log dans la piscinasse, on peut parler avec elle, je pense. Debout là-dedans. Parce qu'il faut qu'on parle à 3 Sims de l'Ambroisie. Donc, en vrai, on peut en parler à Barbie. Voilà, on en a discuté avec elle. Et là, faudrait qu'on trouve un bug égaré quelque part pour pouvoir en discuter aussi. Tiens, toi. Tu es mon homme. Tu es ma femme. Et si c'est pas toi, ce sera toi. Viens par ici. Ah, il faut qu'on parle avant. Je veux juste parler de l'ambroisie, en fait. Allez, vas-y, on va se présenter amicalement. Ken, il faut se bouger le cul-cul, là. Ken, s'il te plaît. Tu fais aucun effort. Ah, le mec, il vient à nous. Mais MDR. Ok, bon, bah très bien. Bah justement, je voulais parler de l'ambroisie. Après, tu peux t'en aller. Merci, monsieur. Ah, mais... Non, mais... Mais monsieur, vous êtes pas gêné, en fait? Vous avez pas l'impression que vous êtes pas chez vous? Vas-y. Faut que je fasse des recherches sur une plante. Ah, on peut récupérer, ça y est. Ça, c'est cool. Donc là, maintenant qu'on l'a récupéré, il doit être dans l'inventaire, je pense. Faut qu'on le place quelque part dans la maisonne. Cuisine. Vas-y, lis. Hein. Alors, soit on nous l'a offert, soit on doit l'acheter. Je pense qu'on va l'acheter parce qu'on est des gros gros pigeons. Parti. Invoquer la faucheuse. Parfait. Ça, c'est cool. Ça, c'est grave stylé de te dire quand t'as envie, bah t'appelles la faucheuse et elle vient, en fait. Voilà, c'est tout. C'est coucou, est-ce que tu peux venir? You're welcome in the house. Pourquoi on a des biquettes partout, là?
J'ai appelé la faucheuse, elle est là ou pas? Elle arrive. Oh, elle prend son temps, hein. Chili, chili coulasse, hein. Faire un câlin à un fan. J'ai trop envie. Salut, c'est Ken, bien ou bien? Dag Dag! Tu te souviens quand Barbie est morte? Bah on l'a ressuscité. Simonus Arrow? Jibs? Kloshos. Jibs, Jibs. Ok, il y a quoi à faire d'autre? Donc les recherches sur les plantes et le bulletin d'information. Mais le bulletin d'information, on l'a déjà reçu, donc je vois pas pourquoi il nous reparle du bulletin, parce qu'en soi, le bulletin, on l'a eu. On a plus de courrier, là. Le bulletin, c'est justement ce qui nous a parlé des trucs, là. Non, on recherche pas l'amour, non. Ken, fais un effort. Essaye d'aller bien, s'il te plaît. Merci. Une fois que ça, c'est good, ça en est où, nos petites plantes, là? On va arroser, hein. On doit monter de toute façon notre jardinage, donc on s'occupe un peu de nos plantations. Après une petite séance piscine, ça fait toujours plaisir. Coucou, bienvenue à ceux qui arrivent et merci pour les follow. Je dois vraiment y aller, c'était sympa. Ouais, ouais, bah c'est ciao. Ciao, bye. On en est où là? Pli-pla-pli-plou-pli-pla-pli-plou-pli-pla. Jardinage. Faudrait peut-être qu'on lise une petite revue sur le jardinage, ça nous ferait du bien. On en a des bouquins, mais... C'est nul, parce qu'on a déjà trop de trucs, mais on les sait déjà, c'est pas rigolo. Sinon, je plante encore des trucs, hein. Je pense que je vais planter des nouveaux trucs. Comment ils vont les poneys? Ils sont où les chevaux d'ailleurs? Elle est pas là la mère? Ah elle était morte je crois. Elle va s'en occuper Barbie un peu là. Voilà, on va faire un petit nettoyage soin du poney là, histoire que tout aille bien. Voilà. Ça devrait aller un peu mieux. Énergie, écoute, si tu te sens pas bien, fais dodo quoi. Je veux dire, il y a des litières pour hein. J'ai l'impression que là c'est compliqué hein. Ouais, il y a des endroits pour faire dodo, voilà quand même. Petit pic n'a pas survécu au manque de nourriture. Ah. Ah. J'avoue que le truc est dans un sale état. J'avoue. J'avoue qu'il faudrait peut-être faire un peu de nettoyage. Il y a trop d'animaux dans cette maison. C'est terrible. Comment c'est trop dur de tout gérer? Alors ça c'est bon, ça c'est bon. Est-ce que la litière elle a besoin d'être changée ou pas? Ça a l'air de sentir bon. Peut-être ici il faut passer un coup de nettoyage. Peut-être ici aussi. Ah mais il y a tout qui pue là. Donc Ken y rentre alors qu'il y a la bête dedans et tout, il n'y a aucun problème quoi. Moi, je nettoie tout, je range tout. Pourquoi il vient, là, lui? Discuter avec la faucheuse. Ah, bah, il a dû partir. En même temps, on est en train de tout clean, là. Ok. Ok, je mets de la nourriture. Et les chevaux, ça va ou pas? Ici, ça va. Heureux. Divertissement. Il s'ennuie un peu, mais bon, vas-y, il peut s'occuper tout seul. Il est grand, quand même. Il y a des jouets dans tous les sens. Il se balade. Majesty va jouer. Voilà. Voilà. Ouh, on va y arriver. Alors, on en était où? J'en étais à dire que niveau jardinage, ça montait un peu doucement, donc il fallait que je remette des choses niveau jardinage. Donc je vais me remettre des bacs, hein. Ils étaient bien, les petits bacs, là. Je vais m'en rajouter deux. Je pense que ça suffit pour monter ça, parce que je pense qu'il faut qu'on plante un peu des nouvelles choses.
Peut-être racheter aussi des fleurs en vrai. Hein. Parce que là, je pense qu'une fois que j'aurais planté celle-là, j'aurais tout planté. Et ça, ça devrait monter notre jardinage. Je crois qu'il fallait qu'on soit compétence... Voilà, il fallait qu'on soit compétence 2 pour la suite. Pour faire une recherche sur une plante. Faire des recherches. Ah, mais attends, on va pas faire des... Ah, mais on peut faire des recherches sur le... Ah non, c'était quoi? Bégonia, fleur de lys... Vas-y, bah sur le premier que je trouve. Hein. En vrai de vrai... Le truc, c'était de faire des recherches, quoi. Obtenir des ingrédients nécessaires, d'avoir la main verte. Atteignez niveau 2 et faites des recherches. Voilà, on fait des recherches. Et ça devrait bien se passer. Ken? Ken, tu dors, mon ref? Ouais, quand il fait des recherches, il rigole pas. Hein. Il est concentré. Hein. Oh, Ken. Fais un effort, s'il te plaît. Fais un effort. Ken, il fait dodo. Hein. Allez, Ken, fais des recherches. Oh, Ken. Ken, s'il te plaît. C'est si dur que ça de faire des recherches, Ken. Bon, on va faire un câlin au poney, tu retournes après. Bon, Ken. Ken, je peux pas demander à Barbie de le faire, c'est toi qui as commencé, fais un effort. On a commencé avec toi, Barbie était pas prête, Barbie arrivait pas à se connecter aux esprits, donc un effort. Voilà, ça va mieux. Ah bah sous la pluie, super. De mieux en mieux, on va refaire des recherches sur une autre du coup. Petit curage de sabot qui ne sert à rien puisqu'il pleut, on adore. Voilà, là c'est bon, il fait bien ses recherches là. Oui bah il fait froid, bah tu penseras à t'habiller, hein. Parce que sortir en maillot de bain quand il pleut, c'est pas très très intelligent. Allez, on s'habille. Cool. Ok. Alors, ça c'est quoi? Oula. Donc là, on a des boucles d'oreilles. Ça, je sais pas ce que c'est. Une potion énergisée. Ok. Terminer les quêtes récompense de la faucheuse pour gagner des points d'événement. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un défi de terrain. Sims d'un enthousiasme étrange et attirant souvent les Sims en quête d'un moment macabre. Ok. Ok. Attends, y a encore tout ça dans la première semaine? Il y a vraiment tout ça là qu'on doit faire encore? Moi je m'étais dit, bon ça va, j'ai rattrapé mon retard. Pas du tout. Ok. Bon bah il nous manque le papier. Hein. Le bulletin. El famoso bulletin. On n'a pas de courrier. Pour l'instant. Ça c'est quoi ces petites potions? Potions d'insultes. Oula non. On va éviter. C'est bien, ça arrose mes petites plantes, là. Ken, tu vas racheter des graines. Comme ça, on va récupérer des petites graines. Je pense même qu'on peut aller les acheter directement. Je vais les poser par terre. On va même pas s'embêter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fleurs. Fruits. Aromatiques. Et un peu de graines magiques. Allez, on ouvre tout ça, c'est la pochette surprise. C'est un peu comme déballer des Pokémon. Je me souvenais pas qu'on avait un fils qui s'appelait Pumba, j'ai honte. On a vraiment appelé un de nos enfants Pumba. Alors, on peut planter banane, du persil... De la mandragore, du coup, c'est déjà fait. De la petite tomate. Je crois que le reste, on avait. Hein. C'est juste que c'est pas le moment. Attends, tu vas pas planter qu'un truc, mon ref. Ah, peut-être que pour la banane... Ah, peut-être que ça prend plus de place. Oh non, du coup, on a planté qu'un truc. Et ça, c'est quoi? C'est du caca? Brûle le caca. Éteins le caca. Éteins le caca. C'était peut-être pas le plus efficace, on a peut-être pas... Pumba, arrête de m'appeler s'il te plaît mon garçon, j'ai des choses à faire.
Est-ce qu'on va avoir un peu de nouveau courrier là ou pas? Non, toujours pas. On va quand même replanter deux trois bêtises. Hein. En vrai, on a de l'espace ici, donc on a pas de chien. On va en profiter. Voilà, on n'a pas de chien. On va faire un vrai potager tapeur. Il y a un moment, notre jardinage doit être augmenté. On va l'augmenter, notre jardinage. Là, c'est pour la faucheuse qu'on bosse. Donc, on n'a pas le temps de niaiser, là. Allez, mon coco, on y va. Bon, avanti, avanti. Allez, Ken. Il est en train de casser tous les trucs ménagers de la maison, je sais pas pourquoi. Barbie, tu peux faire des petites réparations, s'il te plaît? Que là, il y a tout qu'à casser. Barbie bricoleuse, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, Ken. Ken, je te trouve vraiment à fond, là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu nous proposes, Ken. On va nous mettre nos petits bananiers là. Hein. Là, on fait notre petit persil. Période de vote ouverte, on s'en fiche. Rosie envisage de partir bientôt. Attends, on va s'occuper de Rosie, la pauvre. Pardon, Rosie, c'est parce que t'as besoin de te faire laver, je pense. Laver Rosie. Nourrir Rosie. Mais en fait, elle s'affiche pas dans nos animaux, donc c'est hyper bizarre. Nourrir petit Blue. Laver Blue. Voilà. Barbie, il y a du boulot, là. Oh, Barbie qui s'est électrocutée, je sais pas où encore. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un éclair dans la gueule. À tous les coups. Ça a l'air d'aller mal, là. Ken a fait des recherches sur la fleur de lys et a mis à jour son carnet. Ah, on a un événement. Ou pas. Ou pas, en fait. Je sais pas, je pensais qu'il y avait un événement. La faucheuse a besoin de votre aide. Commencez à prendre tout ce que vous pouvez, tia. Mais ouais, non, on n'a pas... Je pensais qu'on avait un événement et qu'on pouvait y aller et que ça allait être cool. Mais en fait, non. Bon, notre mouton ne partira pas aujourd'hui. Barbie, il faudra penser à prendre une petite douche aussi. Ken, il aime trop se baigner quand il fait mauvais. C'est tout, à part le bulletin, là. On n'a plus rien à faire, en fait. On est un peu bloqué là. On n'a plus que ça à faire. Hein. Attendre le bulletin. Attendre le bulletin et augmenter sa compétence de jardinage, quoi. C'est un peu les deux trucs qu'on a à faire, quoi. Et après, faut être patient. C'est qui ces gens qui nous rendent visite, là? Voter pour les plans, déposer une demande, université, auto-publier. Vas-y, je publie mon livre. J'auto-publie mon livre. Le carrelage rose, ouais. Ouais, j'avais téléchargé ça pour Barbie. Ma petite Barbie, tu vas t'occuper un peu de tout le monde, là. Les poules, ça va comment? Propre, satisfait. Peut-être mettre un peu de nourriture, quand même. La litière est good. Ici. Litière good. Ici, on peut changer la litière. Petite douche pour la vache. Déjà, une fois qu'on aura fait ça, ce sera pas mal. Oh, mais je t'avais oublié, toi. Tu t'existes encore, toi? Non, mais... Laver lama, ouais, parce que le lama blanc, il est plus très blanc, là. C'est un lama gris, là. Voilà. On lave la petite bébé. Bah oui, il fallait ça. Bah oui, ça va mieux, là. Ça, c'est une vache contente, ça. C'est une vache propre. Repu, excellent. Bon, tout va bien ici. Qu'est-ce qu'il veut, ce boug, là? Ou cette bougresse? C'est qui ça? Voisine. Oui, bonjour. Elle veut pas qu'on se renseigne sur le lambroisie, elle? Salut voisine, bien ou bien? Ouais, il fait froid, hein? Attends voisine, où tu vas? Il faut savoir, tu viens sonner chez moi et après tu t'en vas. Tu veux pas me parler un peu de lambroisie, là? Apparemment non. Apparemment, c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Est-ce que je peux lui jeter un sort? J'ai peur de ce qui va se passer, hein. Mais vas-y, je le tente. Oh!
Pazoy. Oh, Gedna! C'est ma voisine, ça? Vous saviez que je savais pas que je pouvais faire ça? Mais c'est terrible. Mais c'est... Genre là, je peux déplacer ma voisine? Ah non. Dommage. Ok, bon, ça va, ma voisine est revenue. Oh, je suis déçue! Je pensais que je pouvais mettre ma voisine en décoration à la maison. Oh, je suis déçue. J'étais étonnée, mais je suis déçue. Bon. Ma voisine a survécu. Purée, ça a été un ours en peluche pendant quelques minutes. C'était incroyable. Oh, bah, elle est allée voir mon cheval. Putain, je suis dégoûtée qu'il n'y ait plus ma jument. Elle était trop belle. Bon, même s'ils sont très choux, hein. Mais... Ma fifille, elle était incroyable. Pendant ce temps-là, Ken nous fait un petit nettoyage des litières. Il a tout rempli. Là, peut-être il manque un peu de nourriture. Non, c'est bon. Non, on est pas mal, là. Hein. Ça se passe plutôt bien. On a toujours cette attente de courrier qui, à mon avis, ne viendra jamais. Mais tranquille, hein. On va avancer un peu le temps. Enfin, peut-être que je replante des choses aussi. Je vais peut-être replanter deux, trois petites merdouilles. De toute façon, les compétences, hein, on augmente un peu de magie, un peu de fleurs. On va ouvrir les petits sachets de graines. Je savais pas que c'était aussi long quand même de faire du jardinage. Hein. Dans la vraie vie, je savais, mais pas dans les Sims. Allez, un peu de mandragore. Niveau supérieur. Ah bah c'est bien ça. On arrive. On n'est plus très loin là. Là, on plante nos petites mandragores. Mais j'ai rien, là. Il va encore tomber malade. Ken, tu nous fais quoi, là, encore? Ah, les Sims, une longue histoire d'amour. Regardez, non mais... Bon, allez, j'arrête de l'embêter. Ken. Ça va pas, Ken. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Allez. Fais un effort, Ken. S'il te plaît. La vie est déjà assez compliquée. Si en plus, tu fais aucun effort, tu vas s'en sortir. Ken, il est magicien. Du coup, il a une éternelle jeunesse. Pratique. Pratique d'être un grand mage. Vieillis pas le boug. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Bah tiens, on peut se remettre un petit bananier ici. Là, on peut se remettre des fleurs. Hein. C'est bien, il a fait du jardinage toute la night. La vie passe vite avec lui. Hein. Ok. Bah oui, t'as froid, Pépère, mais en même temps, si tu t'habillais, on n'en serait pas là. C'est toi qui vas te baigner alors qu'il n'y a pas. Alors, ensuite. Petite racine de valériane. Petit persil. Je sais pas si je dois les arroser ou si ça s'arrose automatiquement vu qu'il a plu. Je crois que c'est bon, hein. C'est que s'il pleut pas que je dois les arroser, mais là je pense que j'ai même pas besoin. Je peux les fertiliser par contre. Je peux les fertiliser à coups de truite, si jamais je veux. Ken, vous êtes un peu fatigué. Je me permets. Ça avance. On en est où, nous, de nos petites compétences, là, de jardinage? Oh, Félix. Je ne sais pas qui était Félix, mais il nous a quittés. Majesty. On la voit encore, notre jument, ou pas? Lady. Purée, elle est plus là. Alors, est-ce qu'on a eu du courrier? Ils veulent pas nous donner de courrier, hein, c'est une dinguerie. Je vais avancer doucement. Merci pour les follow, bienvenue. Tant pis, hein. On va avancer le temps, on va bien avoir un peu de courrier à un moment. Peut-être s'occuper des chevaux et tout en attendant. Brosser le poil, nourrir au biberon. Nettoyer le poulailler. Ramasser les crottins. En vrai, on s'ennuie pas dans une ferme, hein. Il y a toujours des choses à faire, hein. Alarme, c'est l'heure du travail. Attends Barbie, je te mets bien avant d'aller travailler parce que tu pars à chaque fois travailler dans un état. Voilà.
Je sais même pas dans quoi elle bosse, Barbie. Réellement, je sais même pas dans quoi elle bosse. Faudrait que je regarde. C'est quoi sa carrière? Coupeuse de feuilles? Mais j'ai jamais... Mais j'ai jamais mis Barbie là-dedans. Salut! Eh, c'est trop drôle que tu me parles, Carving, parce que je voulais t'envoyer un message hier pour retrouver un resto de sushi. Et au final, j'ai trouvé. Je te trouvais plus sur Insta, du coup, je dis vas-y, je suis pas plus bête qu'une autre, je vais trouver ce resto! Et j'ai trouvé chez Christopher, c'était trop bon. C'était incroyable. Vive les sushis. Les poules. Les poules, ça va pas non plus. Va falloir soigner tout ça un peu. Hein. Je sais pas si c'est parce qu'elles sont malades. Ah, elles sont sales. Mais attends, je peux les laver les poules ou pas? Ou faut que je lave le poulailler? Je sais pas comment faire là. Pourquoi mes poules, elles puent? Je sais pas pourquoi. Ouais, faudrait peut-être vous faire laisser les plumes, les louloutes là. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ah, ça a l'air d'aller mieux. Peut-être parce qu'elles étaient dans le poule. Je sais pas. Bon, Barbie est partie. On va les nourrir. Comme ça, au moins, ce sera fait. Salut, Téléa. Salut, Ellie. Ça marche, vas-y. Oh, les chevaux autour et tout, c'est un bazar. Réunir les volailles à proximité, ramasser les œufs. Oui, on peut peut-être ramasser les œufs, on les ramasse jamais. Œuf ramassé 0. Œuf pouvant éclore 1. Ce serait bien peut-être que celui qui peut éclore, on le remette dans le poulailler du coup. Placé dans le monde. Couvé dans le poulailler. Bah ouais, on va le mettre à couver. Ken a découvert des informations sur les œufs qui ont été rajoutés au carnet. Œuf pouvant éclore œuf. Non mais Ken, il découvre des choses tous les jours en fait. C'est ça qui est incroyable avec lui. Ken, on a l'impression qu'il est fermier, mais il connaît rien à la vie en fait. Il faut qu'on la lave aussi. Malheureux sale. Oh. Vraiment, je vous jure, hein, j'ai l'impression qu'on s'en occupe quand même de ces animaux, mais tous les jours, il se passe une dinguerie. Tous les jours, ils vont mal. Arrêtez d'aller mal. Oh là là, on a un paparazzi qui nous prend en photo pendant qu'on lave le lama. J'aimerais trop avoir les photos, vous imaginez? Ken, il est comme ça, en train de laver son petit lama. Attestation de bulletin. Ben, on n'a toujours rien. Ben, écoutez, voilà. Après, je suis quand même contente parce que c'était mal parti et on a quand même réussi en 1 heure à avancer jusqu'ici. Donc, c'est totalement faisable. Ça veut dire que demain, on aura peut-être des nouvelles quêtes et on pourra avancer jusque-là, ce qui serait incroyable puisque là, il nous reste 2 jours et 23 heures avant la deuxième semaine. Donc, il va falloir se réveiller. Moi, je vais sauvegarder là. En tout cas, merci d'avoir regardé ce petit live, ça m'a fait très plaisir. Je vais faire une petite pause, manger un petit morceau et ensuite on se retrouvera sur Valo. Bisous! Je sais pas ce qu'il fait mon père. À toutes mes chamours. À tout de suite, bisounette. Tu manges quoi ce soir? J'en ai aucune idée. J'ai mangé des grosses crêpes midi, donc là ce soir je pense que ça va être light. J'ai pas très faim. À tout X!